Nous avons travaillé sur plusieurs programmes, et notamment sur l'assainissement, et notamment continuer à poursuivre la potabilité de l'eau sur l'ensemble de l'île. Et puis un autre programme qui nous tient à cœur, c'est de maîtriser tout ce qui est de déchets ménagers, et on est en train de faire des études là, par l'ASPID pour pouvoir faire un schéma directeur, pour pouvoir mettre en place tout ce qui est de compostage.